بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan, pour la leçon 9. Et le thème de cette leçon, comme vous le savez, chers téléspectateurs et internautes, c'est toujours Al-Math. Et Al-Math, comme nous l'avons expliqué dans nos précédents cours, Al-Math veut dire tout simplement allongement. Et nous avons fini avec Mad Alif, avec toutes les lettres de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, notre cours sera basé sur Mad Alia. Avant de commencer le cours avec Mad Alia, chers téléspectateurs et internautes, nous allons lire l'alphabet arabe à la forme neutre, comme une révision d'ailleurs. Vous pouvez suivre avec nous, chers apprenants. Alors, Alif, Ba'un, Ta'un, Fa'un, Jimun, Ha'un, Kha'un, Dalun, Dhalun, Ra'un, Zayun, Sinun. Shinun, Sadun, Dadun, Taun, Zaun, Ainun, Ghainun, Faun, Qafun, Kafun, Lamun, Mimun, Nunun, Ha'un, Wa'un, Ya'un. Chers apprenants, voici l'alphabet arabe à la forme neutre. Notre cours d'aujourd'hui, c'est Al-Math. Et nous avons expliqué de nos précédents cours, Al-Mad veut dire tout simplement allongement. Al-Mad veut dire tout simplement allongement, c'est-à-dire allonger les lettres à travers les lettres de maths. Et lettres de maths comprend trois lettres, à savoir Alifun, Ya'un, Wa'un. Voici donc les trois lettres de maths. Et ces lettres permettent à allonger les lettres de l'alphabet arabe. Et nous avons fini Mad Alif avec tout l'alphabet arabe. Aujourd'hui, chers téléspectateurs et internautes, notre cours de Mad est Ya'un. Comment se fait-il l'allongement avec la lettre Ya étant lettre de Mad avec l'alphabet arabe? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et nous allons nous focaliser, nous baser sur les premières lettres. C'est-à-dire les premières sept lettres de l'alphabet arabe. Alors, j'ai la lettre Alif. Comme vous le savez bien, nous avons expliqué de nos précédents cours, Fatha, Kasra, Dhamma. Je mets Kasra en dessous de Alif, mais donnera tout simplement I. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse actuellement? Je vais faire maths. J'ai la lettre Ya'un étant lettre de maths. Et nous avons expliqué de nos précédents cours, chers téléspectateurs et internautes, que les lettres de maths ont leur voyelle correspondante. C'est-à-dire, tout simplement, quand il s'agit maths alif, sa voyelle, c'est fataha. Mad alif, voyelle fataha. Et mad ya'un, sa voyelle kasra. Mad ya, voyelle kasra. Et mad wa, que nous allons voir plus tard, c'est voyelle dhamma. Alors, chers téléspectateurs et internautes, déjà avec mad ya,
forcément la voyelle sera kasra. Forcément, même si je ne mets pas la voyelle. Donc, j'ai la lettre alif. Si avec la voyelle kasra en bas me donnera i, avec madia me donnera tout simplement i, me donnera tout simplement i, me donnera tout simplement i. Je tire la lettre i étant syllabe bref, mais avec madia, je tire la lettre avec ya pour le son i, tout simplement. I, tout simplement. Qu'est-ce qui m'a permis à lire, à lu cette lettre i avec madia, avec madia, qui a pour voyelle kasra, qui a pour voyelle kasra. Alors, chers apprenants, vous pouvez suivre avec nous, avec la deuxième lettre, Alba. La lettre Baoun, avec Madia, me donnera tout simplement Bi. Me donnera Bi, même s'il n'y a pas de voyelle. Parce que Madia a pour voyelle Kasra, obligatoirement. Madia ne peut jamais avoir voyelle Fatha et ni voyelle Dom. Madia, sa voyelle, forcément, obligatoirement, kasra. Donc, la lettre Baoun, rattachée Madia, me donnera tout simplement Bi, me donnera Bi, tout simplement. La troisième lettre, la lettre Ata, la lettre Taoun. La lettre Taoun, avec Madia, c'est le même mécanisme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la lettre Taoun, étant lettre neutre, avec Madia, me donnera tout simplement Ti, tout simplement Ti. Alors, c'est simple, cher apprenant. Je prends la lettre Taoun. La lettre Taoun, avec Madia, me donnera Si, me donnera, si, me donnera, si, tout simplement. Cher apprenant, c'est simple, très simple. Il faut suivre et c'est très facile à comprendre. Alors, je reprends, je dis la lettre Alif étant neutre avec Madia. Me donnera I. La lettre Baoun avec Madia me donnera Bi. La lettre Taoun avec Madia me donnera Ti. La lettre Taoun avec Madia toujours me donnera Si. C'est simple. Maintenant, les trois lettres qui laissent, étant les sept premières lettres de l'alphabet arabe. La lettre Jim. La lettre Jim avec Madia toujours, même mécanisme, me donnera tout simplement J. C'est la logique. Il faut suivre la logique et il faut bien suivre le coup. C'est très simple. La lettre Haoun. La lettre Haoun. La lettre Haoun. Avec Madia, me donnera Hi, me donnera Hi, tout simplement. Et la lettre Khaoun, la lettre Khaoun, avec Madia, me donnera Hi, même mécanisme. Je répète avec vous, cher apprenant, les trois dernière lettre. La lettre Jim avec Madia me donnera J. La lettre Ya'un étant Mat avec la lettre Ha'un me donnera Hi. La lettre Kha'un avec Madia me donnera Hi. Tout simplement. Je reprends. Toutes les sept premières lettres avec Madia. Vous poursuivez avec nous, chers apprenants.
chers téléspectateurs et internautes. Nous disons, lettres maths en langue arabe sont trois. Alif, Yaoun, Waoun. Voici les trois lettres de maths. Ces trois lettres de maths permettent aux lettres ou aux lettres d'alphabet arabe de les allonger, de les tirer. Et toutes les lettres de maths s'agissant Alif, Ya, Wa, ont leur voyelle. Alif a pour voyelle Fataha, obligatoirement, puisque Alif ne peut jamais être avec Mad, Ya, Mad Kasra, ni Mad Dam. Et Mad Ya, sa voyelle, c'est Kasra. Ne peut jamais être voyelle Fataha, ni voyelle Dhamma. Et Madwa, sa voyelle est Dhamma. Ne peut jamais être voyelle Fataha, ni voyelle Kasra. C'est ce qu'il faut noter d'ailleurs, cher apprenant. Alors, je reprends ces lettres avec Madya, puisque notre cours d'aujourd'hui, c'est Mad Alia. Et Madia me permet à tirer, à allonger les lettres d'alphabet arabe avec la voyelle Kasra. Je reprends. Suivez avec nous, chez l'apprenant. Bi. Ti. Si. Ji. Hi. Chers apprenants, chers téléspectateurs, chers internautes, je reprends à nouveau pour bien assimiler ce coup. Alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est Al-Mat toujours. Et les lettres de Mat sont trois. Alif, Yaoun, Waoun. Alif a pour voyelle étant Mat, Fataha. Yaoun étant mat a pour voyelle kasra. Waoun étant mat a pour voyelle dhamma. Aujourd'hui, nous avons mat et notre cours d'aujourd'hui, nous avons mat yaoun. Avec ses premières lettres d'alphabet arabe, c'est-à-dire les sept premières lettres d'alphabet arabe. Alors, je prends mat ya avec ses sept premières lettres. I, bi, ti, si, ji, hi, chi. Chers apprenants, chers téléspectateurs, chers internautes, ainsi prend fin notre cours, espérant vous retrouver au prochain cours. Ila liqa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.